Monsieur Saïd Ayachi, bonjour. صباح الخير. Alors c'est parti, la CPI sera saisie aujourd'hui à partir de 11h par un collectif d'avocats et représentants de la société civile auquel se sont joints des Algériens, dont vous, Monsieur Saïd Ayachi, pour dénoncer bien sûr l'entité sioniste pour le génocide et le crime contre l'humanité. Comment les choses vont se dérouler, Monsieur Saïd Ayachi, à partir du moment où la plainte est instruite à partir d'aujourd'hui au niveau de la haie? Alors, nous n'allons pas aller très vite en besogne. D'abord, il y aura un dépôt, le dépôt de la plainte ce matin officiellement au niveau de la CPI à La Haye en Hollande par des avocats qui ont été constitués par plus d'une centaine d'organisations donc qui officiellement déposent plainte contre l'État d'Israël pour génocide et crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Bien sûr, les avocats ont travaillé déjà depuis une semaine pour constituer le dossier en question juridiquement parlant, pour qu'il soit aux normes de la CPI. C'est fait, c'est déjà fait, donc le document est prêt et je viens de le dire, il sera déposé officiellement ce matin en compagnie d'ailleurs de Pierre Galland qui assure la coordination des organisations plaignantes. Nous avons appris d'ailleurs qu'il y a donc une conférence de presse qui sera tenue à 11h après le dépôt des plaintes. Nous verrons d'abord, bien sûr, le dossier étant largement recevable, s'il n'y aura pas d'anicroche pour gêner l'initiative elle-même. On espère bien sûr que non, mais de toute façon, on reviendra à la charge. Cette détermination des organisations au niveau international pour déposer plainte contre l'entité sioniste pour génocide et crimes de guerre, et bien sûr, cela c'est à la suite de ce que subit le peuple martyr de Gaza depuis maintenant pratiquement un mois, un pilonnage ininterrompu de bombes, y compris des bombes au phosphore, bien sûr des enfants, des femmes, des civils innocents qui sont tués, qui sont bien sûr blessés, qui sont refoulés de leurs terres et qui, bien sûr, en comptent aujourd'hui plus de 10 000 morts à Gaza même. Mais justement, vous avez parlé et cité bien sûr les organisations de droits de l'homme et parmi eux Pierre Galland, il y a aussi l'avocat international Gilles De Vere. Alors on sait aujourd'hui qu'il y a plus d'une centaine de signataires. La liste sera encore va s'élargir encore puisque nous savons déjà qu'il y a certains pays, certains États, notamment de l'Amérique latine, qui vont se joindre à ce mouvement international. Monsieur Saïd Exact, Ayechi. exact. Ce que vous dites est tout à fait exact. On va le replacer seulement dans son contexte. Vous avez remarqué que donc depuis la guerre de vengeance et l'entité sioniste revendique la terminologie de vengeance. Depuis la guerre de vengeance que mène l'État sioniste contre la population de Gaza. Vous avez vu comment les sociétés civiles à travers le monde se sont exprimées dans la rue de façon importante dans toutes les rues, dans les rues des États-Unis d'Amérique, de Londres, Paris, Berlin, Pretoria, Alger, Tunis, Le Caire. Nous avons vu ces manifestations très importante, que nous n'avons pas vu depuis d'ailleurs la guerre du Vietnam. Ceci est l'expression d'un ras-le-bol des sociétés civiles devant tant de barbarie, devant tant de crimes, devant tant de disproportionnés par rapport au fait lui-même. Et donc aujourd'hui, on arrive à une autre forme d'expression. Ce sont ces sociétés civiles qui sont mobilisées pour dire que maintenant, il faudra aller demander des comptes à la bande de Netanyahou et ses criminels qui l'accompagnent,
pour qu'il puisse rendre justice au peuple palestinien martyr. Alors, cette initiative de Vlaine devant la CPI vient conforter l'appel lancé lundi dernier par le président de la République pour dénoncer le génocide perpétré contre la population Razaoui, l'appel aussi de l'Algérie à mettre fin aussi à cette politique de deux poids, deux mesures des instances internationales pour la préservation, bien sûr, des droits des peuples à disposer de leur territoire et de leur liberté. Alors, on sait aujourd'hui, monsieur Saïd Aïechi, que la CPI est un des mécanismes ou instruments de l'ONU. Pensez-vous aujourd'hui, objectivement, que cette plainte sera traitée avec autant de célérité que celle introduite par l'Occident contre Poutine? Alors, laissez-moi d'abord dire ma petite fierté personnelle que dans mes contacts avec mes amis à l'étranger, on a tout de suite relevé que le président Tebboune avait appelé à saisir la CPI pour se plaindre des crimes et de la barbarie qui ont été perpétrés par l'entité sioniste. Tout simplement parce que le président Tebboune a été le seul chef d'État à le faire jusqu'à maintenant. En tout cas, il a été le premier à le faire. Et cela, a, encore une fois, conforte la position de l'Algérie dans le soutien qu'il apporte à la cause palestinienne, puisque c'est à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire que le président Tebboune donc, a fait cet appel solennel à saisir la CPI. Et les organisations internationales, en tout cas celles avec lesquelles je suis en contact, lui ont rendu un hommage pour son initiative qui se trouve être concrétisée par donc ce dépôt de plainte à La Haye. Des amis aussi d'Amérique latine me disent qu'ils sont en train de préparer la même démarche et je crois savoir que de toute façon, il y aura plusieurs plaintes de plusieurs continents, de plusieurs pays, de plusieurs organisations pour faire un bloc au niveau de la CPI. Pour et précisément que ce dossier ne passe pas à la trappe. C'est parce qu'il y aura beaucoup de plaintes auprès de la CPI avec différentes organisations représentatives et plaignantes contre l'entité sioniste que on espère, mais on revendique que ce dossier soit repris par la CPI. Vous me parlez de la célérité, plus ou moins de trucs. C'est précisément là que nous allons attendre la CPI, puisqu'on va voir si elle aura autant de diligence et de rapidité à instruire le dossier comme elle l'a fait avec le président de la Fédération de Russie. Alors justement, bien sûr, on a abordé cette question, la politique de deux poids, deux mesures. Cette opportunité ouvre la voie à la nécessité d'aller vers une réforme des instances internationales, Monsieur Saïd Aïechi, puisque nous avons vu aujourd'hui que l'ONU a été incapable de décréter un cessez-le-feu. On parle d'une trêve humanitaire et on ne parle pas de cessez-le-feu. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question précisément? Oui, laissez-moi peut-être apporter encore une précision personnelle sur le traitement de la plainte qui a été déposée auprès de la CPI. Nous avons dit que lorsque cela a été fait à propos du président de la Fédération de Russie, d'abord, l'instruction a été d'une rapidité extraordinaire. On n'a jamais vu ça au niveau de la CPI, puisque elle a été traitée en l'espace de quelques semaines. Et surtout, il y a eu un mandat d'arrêt international contre le président Poutine. Est-ce que nous allons aller, et nous le demandons, puisque ce que perpètre l'entité sioniste et l'armée sioniste au niveau de Gaza est sans commune mesure avec ce qu'on reproche avec ce qui se passe en Ukraine. Et donc nous allons voir si la CPI va être diligente, va avoir une célérité pour traiter le dossier et surtout délivrer un mandat d'arrêt international contre Netanyahou. C'est là où on va attendre. Ce ne serait que justice pour le peuple palestinien. En ce qui concerne les mécanismes de l'ONU, hélas, oui, nous avons vu d'ailleurs le secrétaire général de l'ONU se lamenter pour obtenir, même pas si c'est le fait, pour obtenir tout simplement un couloir humanitaire pour la population de Gaza. Et je rappelle que M. Guterres sait de quoi il parle. Il a été, avant d'être secrétaire général de l'ONU, il a été haut commissaire aux réfugiés. Donc, du point de vue humanitaire, il connaît son sujet. Et donc, il n'a pas obtenu satisfaction de la part
des membres du Conseil de sécurité. Donc, il n'y a pas eu de couloir. On parle même pas de pause humanitaire, mais on parle de couloir humanitaire. Et jusqu'à maintenant, ça est fait pratiquement au compte-gouttes. Lorsque l'ONU dit qu'il faut 100 camions par jour pour la population de Gaza, il en rentre à peine 7-8. Mais justement, est-ce que c'est l'opportunité d'aller vers une réforme des instances internationales? Et l'Algérie est militante de la réforme du Conseil de sécurité. Monsieur Saïd Aïechi, rapidement sur la question. Plus le temps passe et plus et à l'occasion de plusieurs dossiers dont est saisie l'ONU, je parle bien sûr du problème palestinien, mais aussi de la question sahraoui et bien d'autres, le système, enfin le Conseil de sécurité en l'occurrence, montre une inertie flagrante quand ce n'est pas d'ailleurs délibéré de la part de certains membres permanents du Conseil de sécurité, parce que cela n'arrange pas les stratégies qui servent leur intérêt. Et donc là, le système des Nations Unies est pratiquement maintenant tout à fait obsolète. Il est temps, et le président Tebboune l'avait demandé avec d'autres chefs d'État d'ailleurs, pour réformer le système des Nations Unies, pour aller vers plus d'efficacité, plus d'équilibre, plus de justice dans le traitement des affaires de ce monde. Alors aujourd'hui, nous avons vu, il y a bien sûr des voix qui s'élèvent pour dénoncer ce qui se produit actuellement au niveau de Gaza, ce génocide perpétré aux yeux et aux vues du monde entier. Certains, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient institué le tribunal de Nuremberg pour juger bien sûr les nazis. Aujourd'hui, certains revendiquent la création d'un tribunal de Gaza pour juger les sionistes. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, c'est-à-dire au-delà du dépôt de plainte au niveau de la CPI? Ce qui se passe à Gaza depuis maintenant 25 jours est quelque chose de tout à fait intolérable. Il a été déversé sur Depuis plus Gaza. d'un mois, hein. Ça a commencé le 7 octobre dernier. Ce qui a été déversé comme bombe à Gaza, et pratiquement on le compare à ce qu'a subi la ville de Dresde pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était milliers de tonnes de bombes. Et ce qui aggrave plus le cas, à Gaza, c'est des bombes au phosphore. On utilise des bombes de phosphore, Le ou alors phosphore. on utilise des bombes de très gros calibre qui sont capables de pulvériser tout un quartier en une seule fois. Évidemment, l'autre aspect tout à fait insupportable et criminel, c'est le bombardement indiscriminé. Donc, on bombarde des hôpitaux, ce qui est interdit par le droit humanitaire international. On bombarde des écoles, on bombarde des quartiers où on sait que ce sont des civils qui habitent, la population civile. Et je rappelle que lorsque cela a été fait dans certains quartiers de Kiev ou de Mariupol, nous avons entendu des protestations et des dénonciations importantes en Occident contre ces faits-là. Aujourd'hui, on n'entend plus rien, c'est le silence radio. On laisse l'entité sioniste exterminer le peuple palestinien sous le regard impassible, le regard indifférent de l'Occident, qui ne dit mot contre cette barbarie et ce génocide qui est en train de se perpétrer sous nos yeux. Est-ce qu'il faudrait penser aujourd'hui également à une plus forte mobilisation des pays arabes, M. Saïd Aïechi, sachant aujourd'hui les volontés inavouées, expansionnistes de l'État sioniste, qui ne va pas se limiter seulement à Gaza, qui va aller au-delà de ces territoires, jusqu'au, bien sûr, au franc du Nil et même la Jordanie, et peut-être même la Syrie, Liban également, M. Saïd Aïechi? À mon sens, d'abord, première partie de la réponse à votre question, c'est que il y a les gouvernants arabes, il y a la rue arabe. La rue arabe, on l'a vu, elle ne s'est pas gênée de montrer son attachement et son soutien au peuple palestinien. Surtout que je rappelle toujours que la cause palestinienne, et cela est admis, il y a une sacralité dans la question palestinienne, avec l'aspect d'un Quds. Et par conséquent, si ça ne tenait qu'aux États arabes, c'est-à-dire aux gouvernants arabes, il n'y aura pas de rue palestinienne. Il n'y aura pas de rue arabe. Mais la pression est très forte venant des populations arabes. Je donnerai un exemple, par exemple, au Maroc, qui vient de normaliser avec l'État sioniste. Et justement, le peuple marocain est sorti en masse pour protester contre ce qui se passe à Gaza. Maintenant,
répondre à ce qui se fait dans la région, c'est tout simplement le fantasme du grand Israël biblique par les ultra-orthodoxes sionistes et l'équipe de Netanyahou, qui fait que on rêve toujours de ce grand Israël du Nil à l'Euphrate, alors que c'est tout simplement, j'allais dire, un délire qui malheureusement produit beaucoup de victimes. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook Invité de la rédaction. Monsieur Saïd Ayachi, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Et deuxième partie de l'invité de la rédaction, avec vous Souhil El-Hachmi, vous recevez M. Saïd Ayachi, militant des droits de l'homme et président du comité de soutien et de solidarité avec les peuples sahraouis et palestiniens. M. Saïd Ayachi, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect qui est important, puisque nous savons qu'aujourd'hui l'affaire sera instruite au niveau de l'AE pour la CPI, pour bien sûr dénoncer les crimes de guerre perpétrés contre le génocide et les crimes de guerre perpétrés contre les Palestiniens au niveau de Gaza par l'entité sioniste. Est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement que cette question doit trouver impérativement sa solution, puisque le droit international est aujourd'hui bafoué au vu et au su de tout le monde, et on sait que plus de 80 résolutions qui concernaient la Palestine ne sont jamais entrées en vigueur, n'ont jamais été appliquées. Une de vos questions tout à l'heure parlait de la réforme du système des Nations Unies. Précisément, voilà une illustration parfaite de l'inefficacité du système des Nations Unies, puisqu'il y a eu, comme vous venez de le dire très justement, plus de presque 87 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui appellent et donc délimitent et codifient la résolution du problème israélo-palestinien. Et par conséquent, dans ce problème-là, il n'y a que l'entité sioniste qui n'applique pas des résolutions du Conseil de sécurité, puisque de toute façon, depuis 1948 et jusqu'à maintenant, en citant très précisément les résolutions 242 et 3, la 328, je crois, qui elles disent comment il faut résoudre le problème palestinien, c'est-à-dire créer un État palestinien à côté de l'État de l'entité sioniste. Et dans ce cas-là, l'entité sioniste ne veut pas appliquer ces résolutions des Nations Unies, ce qui fait qu'il y a cette situation de guerre et cette situation surtout de repression et d'oppression du peuple palestinien par l'armée sioniste. Dans ce contexte-là, on ne peut pas arriver à la paix parce que l'entité sioniste ne cherche pas la paix, elle cherche la terre. Et je rappelle qu'à ce titre, les États arabes en 2002 avaient fait une offre de paix définitive au Moyen-Orient en disant qu'on assurait la paix contre la terre, c'est-à-dire revenir aux limites de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale pour l'État palestinien. Mais l'entité sioniste refuse absolument, alors que ce n'est pas uniquement l'offre de paix des pays arabes, mais aussi les résolutions du Conseil de sécurité qui vont dans le même sens, c'est-à-dire la solution à deux États, un État de l'entité sioniste et un État palestinien côte à côte qui vivrait dans la paix et la sécurité réciproque. Mais par rapport à cette violation des droits de l'homme et par rapport à ce génocide perpétré, l'entité sioniste est confortée aujourd'hui par le soutien indéfectible des États-Unis. Les États-Unis qui ont adopté un budget supplémentaire pour soutenir la guerre en Palestine, équivalent, tel que revendiqué par Blinken, de 14 milliards de dollars. C'est exact. C'est exact. D'ailleurs, cette arrogance dont je veux parler, cet entêtement, ce défi vis-à-vis de la communauté internationale en ne respectant pas les résolutions du Conseil de sécurité, fait qu'Israël le fait parce qu'il est garanti d'une impunité et donc qu'il peut le faire. Et qui lui garantit cette impunité? C'est d'abord les États-Unis d'Amérique, tout simplement, parce que cela répond aux intérêts de ce grand pays dans la région, pour défendre ses intérêts dans la région, et parce que tout simplement il y a un très fort lobby sioniste aux États-Unis,
d'ailleurs multiforme, il y a plusieurs niveaux, qui fait que rien ne peut bouger aux États-Unis. Même au niveau des médias. Bien sûr, surtout les médias. Les médias sont d'abord, les médias, la finance, les grandes entreprises sont d'abord tenues par des militants sionistes. Et donc, ceci ne peut pas se faire sans cette complicité de l'administration américaine. Et on a vu M. Blinken arriver à Tel Aviv pendant la crise qui est en train de se dérouler maintenant à Gaza. Il arrive, il dit, je ne viens pas en tant que ministre des Affaires étrangères, je viens en tant que juif. C'est-à-dire, regardez où la complicité. On a vu aussi comment les États-Unis d'Amérique ont dépêché deux porte-avions contre toute la population civile de Gaza qui ne possède même pas Même un sous-marin nucléaire en ce et moment. un sous-marin nucléaire, excusez du peu. Et donc, ceci, c'est un message, c'est pour dire que tout simplement, nous soutenons urbi et orbi l'entité sioniste contre toute autre velléité d'un État de la région. Et en tout cas, vous allez laisser l'armée sioniste mener ses opérations de carnage et d'extermination contre la population civile de Gaza, avec la complicité d'ailleurs des États européens. Un signe patent qui était un feu vert de cette extermination donnée par les États européens, c'est qu'on avait accroché le drapeau israélien sur le Parlement britannique, sur la Tour Eiffel, à la porte de Brandebourg, etc. C'était autant de signaux de la part des États européens dont on a vu les médias se déchaîner d'une façon hystérique, d'une façon hallucinante, d'une façon délirante contre la population palestinienne. On a vu au niveau des médias européens, dans des plateaux télé, comment des militants sionistes s'incrustaient sur les plateaux et interdisaient à tout un chacun qui pouvait, non pas défendre les Palestiniens, mais enfin dire la vérité de la justice, du droit international. Il était tout de suite cloué au pilori quand il n'était pas tout simplement chassé de l'émission. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, Monsieur Saïd Hayechi, avec ce qui se produit, nous le voyons, même s'il y a une censure qui est pratiquée au niveau des réseaux sociaux contre les vidéos qui sont diffusées à partir de ce drame qui se produit actuellement à Gaza, bien sûr avec la bénédiction des pays occidentaux qui ont ordonné à TikTok de supprimer certaines vidéos, est-ce qu'on peut considérer que plus rien ne sera comme avant, Monsieur Saïd Hayechi, les États arabes qui ont normalisé aujourd'hui sont en train de faire marche arrière sous la pression de leur population. C'est clair. C'est clair que la jeunesse palestinienne a tiré les enseignements de la guerre en Ukraine. À la guerre en Ukraine, on a vu comment les médias ont joué un rôle très important pour accabler la Fédération de Russie et vouloir défendre l'indéfendable. Et la jeunesse palestinienne, malgré la situation limitative dans laquelle elle se trouve, a pu, grâce aux réseaux sociaux, quand même donner l'image de ce qui se déroule à Gaza. Et c'est comme ça que l'opinion internationale a été informée sur les crimes et l'opération des génocides contre la population palestinienne. Et les enfants d'Intifada ont grandi et compris. On a vu d'ailleurs comment certaines vidéos, parce qu'elles sont confondantes pour l'armée sioniste, sont retirées tout de suite des plateformes parce que cela n'arrange pas l'objectif sioniste. Et pour ce qui est des États arabes, ils ont très mal joué pour ceux qui ont normalisé, ils ont très mal joué parce qu'ils ont cru que l'État sioniste pouvait leur garantir je ne sais quelle sécurité après laquelle ils courent, alors qu'ils sont menacés par aucune autre partie. Mais en fait, ils ont normalisé, ils n'ont rien eu en retour, mais surtout, ils ont perdu la confiance de leur population, de leur peuple, qui s'est exprimé de façon tout à fait clair et illustratif dans les rues pour soutenir le peuple palestinien. Et aujourd'hui, ces gouvernants arabes n'ont pas eu la sécurité après laquelle ils couraient, mais ils ont eu le déshonneur de trahir la cause palestinienne. Et évidemment, je crois que maintenant, les initiatives de normalisation
sont au placard et nous espérons qu'elles seront caduques dans un certain temps. Et puis il y a ce grand leurre aujourd'hui de l'entité sioniste par rapport bien sûr à sa volonté expansionniste du Nil au Euphrate. Est-ce que les pays arabes ont pris conscience aujourd'hui des velléités sionistes, monsieur Saïd Aïechi, de Netanyahou, qui l'a clairement affiché au niveau des Nations Unies en août dernier, en montrant bien sûr la carte géographique de l'entité sioniste qui s'étend jusqu'au territoire syrien, jordanien et aussi qui peut aller jusqu'en Égypte et au Soudan également, puisqu'ils sont présents. Et le conflit soudanais, c'est eux qui sont à l'origine. Monsieur Saïd Aïechi. Ce délire du grand Israël ne date pas d'aujourd'hui, il est dans le programme du sionisme. Mais ils veulent le réaliser aujourd'hui. Il est dans le programme du sionisme depuis déjà 70 ans et bien sûr, souvenez-vous, d'abord il faut dire que l'État d'Israël est un État terroriste. Pourquoi c'est un État terroriste? Parce qu'il a été bâti par des organisations terroristes. Rappelez-vous la Haganah, d'Irgun, Stern, dont sont sortis plusieurs dirigeants israéliens, Ben Gurion, Shimon Peres, Yitzhak Shamir, Yitzhak Rabin, etc. Tous faisaient partie de ces organisations terroristes. Et les organisations terroristes ont commencé, après le partage de 48, ils ont commencé à terroriser les populations palestiniennes pour qu'elles quittent leur terre. C'est toujours un problème de politique expansionniste, d'espace, pour plus d'espace, toujours plus d'espace pour Israël, pour précisément réaliser ce fantasme délirant des ultra-orthodoxes et des sionistes pour bâtir cet État qui irait du Nil à l'Euphrate. Bien entendu, cela est une chimère. Cela ne pourra jamais se faire. Il y a des États qui sont installés. Et quand on revient à l'histoire, quelle qu'elle soit, il n'a jamais existé un tel État par le passé. Le problème, c'est que certains y croient. Maintenant, il y a une équipe d'irresponsables sionistes qui sont aux commandes à Tel Aviv. Et justement, parce qu'ils veulent réaliser ce fantasme, et cela provoque la guerre et cela provoque un génocide contre le peuple palestinien. Évidemment, les États de la région sont avertis de cela et comment depuis belle lurette, ils le sont. Et bien entendu, il y a lieu de s'opposer à un tel projet, il y a lieu de faire avorter une telle entreprise. Et le peuple palestinien est d'abord en première ligne de ce front de rejet de ce projet. Est-ce qu'on peut considérer que cette cause palestinienne, ce qui se produit à Gaza, va unifier les rangs des pays arabes, M. Saïd Aïechi? On est en train de voir. On est tous sensibles à ce qui se produit actuellement au niveau de Gaza. Je le répète, mais je veux être en règle avec ma conscience, c'est la rue arabe qui est unifiée. Ce n'est pas les gouvernements arabes qui sont unifiés. On peut tout simplement relever que la Ligue arabe ne s'est réunie que 17 jours après le début de ce drame que vit le peuple palestinien. Je ne veux pas par là dire, ce n'est pas mon rôle de dire que les États arabes sont mauvais, mais je constate tout simplement qu'il n'y a pas cette réactivité qui a existé par le passé, pour soutenir de façon déterminée, de façon vigoureuse le peuple palestinien. Je crois que nous allons aller vers un sommet qui, j'espère, va prendre des mesures au bénéfice du peuple palestinien. Ce samedi, et de sa résistance, en Arabie Saoudite. Et de sa résistance. Et surtout revenir aux fondamentaux de la solution du peuple, du conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire, encore une fois, la résolution de 2002 des pays arabes, la terre contre la paix. Alors, des questions des auditeurs très nombreuses ce matin, M. Saïd Aïechi. Vous avez parlé bien sûr de Netanyahou. Il avait dit nous sommes en situation de guerre et on va aujourd'hui les éliminer un par un. Le ministre de la Défense, il les avait qualifiés, les Razaouis, d'animaux. Il fallait les exterminer et même les médecins israéliens ont qualifié bien sûr les Razaouis de criminels et ils se sont donné le droit de les exterminer. Alors, la question de l'auditeur, croyez-vous aujourd'hui que les États-Unis puissent recevoir des pressions de la part de sa population et les autres pays occidentaux pour aujourd'hui
un peu lâché du lest et abandonné son soutien indéfectible à l'entité sioniste, où les intérêts sont beaucoup plus importants pour aujourd'hui lâcher l'entité sioniste. Je crois que de toute façon, il y a un élément qui est très important et qui va déterminer la suite que va connaître ce drame que vit le peuple palestinien. C'est rendre justice au peuple palestinien. C'est la justice qu'il faut mettre au centre de l'équation. Et tant qu'il n'y a pas eu de justice pour le peuple palestinien, il y aura cette dérive du gouvernement de l'entité sioniste. Et tant qu'il y aura la dérive, il y aura le projet sioniste. Et tant qu'il y aura le projet sioniste, il y aura des exactions, il y aura une répression, il y aura des opérations criminelles contre le peuple palestinien, ce que refusent les peuples du monde. Et alors, les États-Unis d'Amérique auront à choisir entre un État irresponsable qui l'entraîne dans un fossé qui se creuse de plus en plus profondément entre l'Occident, les États-Unis d'Amérique avec l'entité sioniste et le reste du monde, c'est-à-dire le sud global. Est-ce que c'est ça l'intérêt des États-Unis, d'être en antagonisme avec le reste du monde? Ou alors les intérêts des États-Unis, c'est de régler, selon le droit international, le conflit du Moyen-Orient, c'est-à-dire la solution à deux États, et pouvoir à ce moment-là avoir un rôle à jouer au niveau international. Je crois que c'est cette question qui interpelle aujourd'hui les dirigeants américains, qui doivent absolument prendre en considération cette demande pressante de justice et d'équilibre dans les relations internationales et surtout d'abandonner les deux poids deux mesures. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, vous avez cette autre question de l'auditeur et qui vous dit, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans la continuité de ce qui s'est produit déjà par le passé durant les années 2000 avec le terrorisme qui est devenu aujourd'hui un alibi pour envahir les pays et les États? On se souvient de ce qui s'est produit en Irak avec bien sûr l'invasion par les États-Unis de ce pays, l'assassinat aussi de Saddam Hussein sous prétexte fallacieux de détention d'armes de destruction massive et bien sûr cette visée tend à la création de ce qu'on appelle aujourd'hui au niveau des États-Unis du grand Moyen-Orient avec la volonté de balkanisation du monde arabe. Monsieur Saïd Ayachi, parce qu'il y a de mini-États au niveau du pays du Golfe. Il y a, j'allais dire, des dommages pas collatéraux, mais fondamentaux dans la conduite de la politique des États-Unis. Quand il y a des équipes qui se succèdent d'ailleurs au niveau de l'administration américaine et qui accouchent de certaines théories plus ou moins fumantes de l'organisation du monde. Cette histoire du Grand Moyen-Orient a fait long feu, puisqu'elle n'a jamais, j'allais dire, produit quelque chose de positif, ni pour les États-Unis d'Amérique, ni pour la région d'ailleurs. Il est bon de revenir à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des micro-États qui ont été créés. C'est une réalité. Bien entendu. Mais bon, ils sont une réalité. Ils existent. Il faut faire avec. Le problème, c'est l'instrumentalisation ou l'asservissement de ces États par une puissance impériale qui veut, j'allais dire, régenter la planète et pas seulement la régenter de façon, j'allais dire, juste, si tant est que cela peut se faire, mais la régenter dans l'injustice et le double standard. Mais ils ont été créés par ces mêmes États, monsieur. Bien entendu. Ouais. Et donc, tant que les relations internationales ne sont pas équilibrées et qu'il y a ces rapports entre les États dans une prospérité partagée, dans un échange de positions tout à fait conciliantes et tout à fait productif pour les uns et pour les autres, bien sûr qu'il y aura toujours ce déséquilibre, ce dérapage, qui a fait que maintenant, nous allons vers la multipolarité qui est incontournable et qui verra le pouvoir des États-Unis être rogné par d'autres États qui, eux, sont capables de donner plus de justice, beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus
j'allais dire, de sérénité et de stabilité à travers la planète. Alors c'est cette injustice qui va accélérer cette multipolarité, monsieur Saïd Aïchi, rapidement sur la question. Oui, oui, bien sûr, parce que il faut revenir à l'équilibre des relations internationales, et donc les gens, quand on parle du Sud global, il est demandeur de cet équilibre dans les relations internationales, de cette justice, de l'abandon des deux poids, deux mesures, pour qu'il y ait une prospérité partagée à travers les États de la planète. Alors, autre question, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un dénominateur commun entre ce qui se produit actuellement en Europe de l'Est avec la guerre ukraino-russe et avec ce qui se produit actuellement au niveau de Gaza, M. Saïd Aïchi? Le gaz est devenu un grand enjeu. Bien sûr, parce que de toute façon, les relations internationales où, et les accès maritimes, les trucs sont toujours sous-tendus par des intérêts économiques. Et ici, les intérêts économiques sont colossaux, bien entendu. On parle de ces champs gaziers au large du Liban et de Gaza, et bien sûr... La Méditerranée orientale. La Méditerranée orientale. Et bien entendu, cela attise des convoitises. Beaucoup de pays de la région sont intéressés. C'est la région la plus riche du monde. Le Liban, la Turquie, l'Égypte, les Palestiniens, bien entendu, etc. Cela, à la limite, est une réalité de la nature, sauf que là, cela aurait pu se faire dans le cadre du droit commercial international, dans le droit maritime, dans le droit des peuples à profiter de leurs ressources naturelles qui leur reviennent. Mais cela ne doit pas se faire par la force, par la répression et passer par le génocide de tout un peuple pour précisément l'exclure du partage de ses richesses. Alors, autre question et commentaire de l'auditeur, restons solidaires avec la Palestine, avec la même intensité, même après d'éventuelles trêves ou cessez-le-feu, les plaintes ne sont pas suffisantes aujourd'hui, M. Saïd Aïchi. Est-ce qu'il faudrait aussi, dans ce même cadre, vous avez cet autre commentaire de l'auditeur, que pourquoi ne pas créer un tribunal pénal arabe des nations et également Africa, Monsieur Saïd Aïchi? Les Arabes sont incapables de le faire, je le dis très nettement, et n'ont pas la volonté politique de le faire. Parce que pour faire un tribunal international, il faut qu'il y ait une volonté. Ensuite, ce ne sont pas les États qui créent un tribunal, sauf dans le cas d'une guerre mondiale. Un tribunal peut se faire par des sociétés civiles, et je pense que cela peut se faire éventuellement. On a assisté qu'il y a eu le tribunal pénal, le tribunal Russell pour le Vietnam. Il a existé d'ailleurs un tribunal pour la Palestine, malheureusement qui n'a pas pu continuer son travail faute de moyens. Mais effectivement, les ONG à travers le monde et beaucoup de plateformes peuvent constituer un tribunal pénal international contre Netanyahu et sa bande de criminels. Alors, ce commentaire de l'auditeur qui vous dit « Celui qui détient le nucléaire, c'est lui qui aujourd'hui gère le monde et c'est lui qui détient également le pouvoir et dicte la loi. C'est ce monde qu'il faut aujourd'hui absolument bannir pour un monde meilleur et plus juste. » Monsieur Saïd Aïchi, rapidement. Oui, c'est notre cher auditeur peut-être qui doit répondre. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le nucléaire est nécessaire pour tous les pays du monde. À ce moment-là, on serait vraiment à la fin des temps, à mon sens. Mais ce qu'il faut, le nucléaire peut être au lieu de fabriquer des bombes, peut être bon, encore qu'il faut demander l'avis des écologistes, peut-être là pour assurer la prospérité des peuples, si tant est que cela peut se faire. Et on connaît les bonnes phases du nucléaire, celles dont parle notre auditeur. C'est peut-être pas la meilleure des aspects du nucléaire. Alors, autre question, et la dernière, M. Saïd Aïchi, il ne nous reste pas beaucoup de temps. La concentration de tous les conflits au niveau de cette région, c'est parce qu'il y a effectivement des intérêts géopolitiques et également économiques, M. Saïd Aïchi, puisqu'au niveau de la région, avec l'Arabie Saoudite, c'est bien sûr ses réserves de pétrole, c'est l'équivalent de 40% des réserves mondiales, avec le Qatar aussi le gaz. C'est une région, des historiens l'ont appelé l'Orient compliqué. C'est une région qui recèle et rassemble beaucoup de facteurs et de critères d'appréciation.
C'est d'abord là où sont nées toutes les religions monothéistes. C'est là où il y a beaucoup de richesses en ce moment. C'est là où il y a, j'allais dire, des alliances et des mésalliances, des renversements de situation. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a ce poison qui s'appelle l'antitutionnisme qui est incrusté dans la région et qui gêne toute approche, j'allais dire, réaliste, responsable, constructive pour tout ce qui peut amener de bien pour les pays et les peuples de la région. Et elle n'est pas seulement incrustée au niveau de la région du Moyen-Orient, elle est aussi présente au niveau de nos frontières. Monsieur Saïd Aïechi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end et à bientôt.